Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Botany Manor. On se retrouve donc comme prévu à la loge puisque nous avons de nouveaux éléments. Alors, pas celui-là du coup puisque on avait... ça on avait vu aussi, sonner la cloche. Est-ce que c'était ici? Est-ce que tout ça on l'a déjà vu en vrai? Ah, c'est ça, c'est une lettre de sa sœur. C'est ça notre colis. Alors, donc elle a changé le code de la porte de library, donc la bibliothèque. Et le code, ce sont les trois initiales de son nom. Donc Ellie, E-L-I. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la bibliothèque. Je vois que ça parce qu'en fait je vois pas de colis. Ça doit être ça. Hein. Alors, la bibliothèque. La bibliothèque. Est-ce que c'était là-haut? Attendez, pour y accéder, c'était là. Ah oui, on avait ça là. Donc ce serait Ellie. On n'a pas de L. Ah non! Donc ça veut dire que ici ça doit être un G et elle s'appelle Elisabeth comment? Elisabeth Green. On a quelque part un tableau avec les membres de la famille et leur nom. On n'avait pas quelque chose comme ça quelque part? Il semblait qu'on avait quelque chose comme ça. Arabella et Elisabeth, oui. Oui, mais sa sœur, comment s'appelle sa sœur? Il me semblait qu'on avait un tableau. Hop là, le mur. Sauf que, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Et justement, on a normalement Elisabeth Ann Green. Donc E-A-G. Donc là, c'est le A. Ouvrir. Quoi? Elisabeth Ann Green. Moi, je suis pas d'accord. C'est bon. E-A-G. Ou alors, il veut que je le fasse à l'envers? Non plus. Couloir de la bibliothèque. Ben oui, ben, c'est bien ça. Ah non, attendez, j'ai mal lu cette lettre-là, alors. Non, c'est le nom du milieu, donc le deuxième prénom. Mais elle est mariée, donc ce serait Elisabeth Ann Hopgood. C'est ça. Et pas Green. Donc E-A-H. Oui, c'est ça. J'ai juste mal compris. Ok. Nous arrivons donc dans le couloir de la bibliothèque. Il y a deux portes. Bureau. Il faut une clé. Une carte de remerciement de la part de Olive Campbell. Ok. Donc Arabella a envoyé des manuels. C'est ça ? Des manuels de sciences des fleurs. Je pense. Oui. Ok. Ici, on a de quoi s'asseoir. Ici. On a un livre d'enseignement. Ok. On n'a rien d'autre. Ici, on a une porte. Oh, allié botanique. Ok. Quatre nouvelles plantes ajoutées. Oh la vache. Ça fait beaucoup de plantes. Je pense que je vais scinder l'épisode en plusieurs parties. Ça ne va pas être possible. Ok. Donc ici on peut monter, mais je vais pas monter de suite. Ici on a quoi? Oh oh. Ok. Donc il y a un truc à faire ici. D'accord. Ici.
Le corbeau et le renard. Ok. On n'a rien de plus. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. On a un truc là-bas derrière. Ici, on n'a rien. Et ici, on a ouvrage du ciel étoilé. Ok. Ok. Alors, emplacement du paquet de graines, chambre forte de grand-mère. Ok. Donc on a un crépuscule, Lilium hesperide. Je me souviens vaguement que ma grand-mère étudiait les crépuscules quand j'étais jeune. Donc déjà, on n'a pas d'indice. Avec ce que j'ai regardé, on n'a pas d'indice. Très bien. On a un saphir mélancolique, Satyrella coerulea. À en juger par son nom, je doute qu'il s'agisse d'un champignon comestible. Très bien, il n'y a que deux indices. Et l'emplacement du paquet de graines est dans le bureau. On a une fougère berceau, Blechnum nidus. Ces dernières années, la présence de ces fougères a fortement diminué sur les berges. Je ressens du coup l'obligation d'étudier tout changement dans leur environnement. Et le paquet de graines est dans la chambre principale. Et donc, calice de Brooke, Ranunculus condatis. C'est après qu'une amie m'a parlé du calice de Brooke dans une de ses lettres que j'ai eu envie de commencer des recherches à son sujet. Et là, la graine est dans le grenier. Ok. On va peut-être faire le plus facile dans le bureau. Ou alors est-ce qu'on continue ici? Il y a quoi par ici? Ah bah non, le bureau, il est fermé. Donc on va pas faire le bureau. Ici, qu'est-ce qu'on Le poisson d'or. Ok. Invitation au bal. Cousin, wash your hands and accompany me. You won't find the husband at the bottom of the garden. Sympa. Mais mon cher cousin, nous n'avons pas besoin d'homme pour exister. Tout comme tu n'as pas besoin d'une femme pour exister. Très sexiste dans ce jeu. Le lièvre et la tortue. Mais bon sang, c'est des comptines de quand on était enfant, tout ça. Il y a un truc derrière. The Rising Sun, ok. Sauf que, donc dans Crépuscule, je peux pas mettre les livres comme indice. Ok. Donc là, tout ce qu'on vient de voir, je peux pas y mettre mes indices. Et il y a ça. Ça va forcément nous mener dans une cachette, je pense. Ah, attendez. On a vu ça, ça. Ça et ça. Ah, ok, d'accord. Alors attendez, on a vu d'abord celui-là, ensuite on a vu celui-là, ensuite on a vu celui-là, celui-là, puis celui-là. Non, il y a un truc. Oula, attendez, attendez, il y a quelque chose. Attendez. Il y a celui-là. Donc, d'abord celui-là. Ensuite, le crépuscule. Ensuite, ici, on a Golden Fish. Poisson, poisson, lièvre, et enfin soleil. Poisson, lièvre, ah non, c'est coincé. Mais il y a un truc quand même. Il y a quand même un truc avec ça.
Alors, donc là, on a le corbeau et le renard. One evening, a fox was in search. Donc le corbeau et le renard. Ensuite, on a dit qu'on avait le crépuscule ici. Ensuite, ici, on a le poisson d'or. One bright morning, a poor fisherman caught a shining golden fish. The fish cried. Ok. Et ensuite, là-bas. Là-bas, on a le lièvre et la tortue. At midday. Attendez. Tous, ils commencent par un moment de journée. En dessous, on a le soir, le crépuscule. Là, on a le milieu de journée. Là, on a rising sun, donc c'est le tout début de la journée. Et là-bas, c'était écrit quoi? Matin. Début de journée, matin, milieu de journée. Alors attendez, ça se peut, c'est même pas ça. Ça se peut juste, je tire par les cheveux parce que j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Mais visiblement, il y a un truc à faire. On a dit. Si on tente. Ça. Ensuite, on a dit. Ah mince, j'ai oublié. J'ai oublié. Le matin, c'est le poisson. Donc, le poisson. Ensuite, midday, c'est lui. Ensuite, soirée. C'est ça. Et crépuscule. Pardon, excusez-moi. C'était bien ça. Ok. Sunset, coucher de soleil 1er mai. J'adore. Coucher de soleil 22 mai. Coucher de soleil 8 juillet. J'adore, moi j'ai une obsession pour les levers et les couchers de soleil. J'adore ça. 14 octobre, 29 avril. Trop beau. 8 août. 12 septembre. 25 juin. À mon avis, il doit y avoir un truc à faire avec tout ça. Bon, par contre, lui, il brille. Prendre les graines. Est-ce qu'on peut déjà ajouter, mince, des indices? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, les tableaux du coucher de, des couchers de soleil, avec des dates et des heures, c'est ça? Non, il y a juste les dates. Parce que coucher de soleil, ça signifie que c'est forcément en fin de journée. Donc, fin de journée avec des dates. On a une clé qui est la clé du bureau. Et on a les recherches de grand-mère qui donc a essayé de faire fleurir la petite fleur du crépuscule. Donc sa grand-mère, elle fait ça parce qu'elle est déterminée à prouver que c'est plus qu'un mythe. Et pour le moment, elle a déduit que la fleur s'ouvre au coucher de soleil seulement durant une fourchette de dates dans l'année, mais quand exactement elle ne sait pas encore. Enfin, visiblement elle n'est plus de ce monde, donc elle n'a pas réussi à savoir. Ok, donc je pense qu'on peut mettre les recherches de grand-mère dedans. Ok, on n'a rien d'autre.
On n'a rien d'autre ici. Alors, ça veut dire qu'on a des indices ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on aille ouvrir le bureau, parce qu'on a une clé du bureau. Donc forcément, le reste des indices va être là. Verrouiller. Ok. Donc là, on a une lettre d'Anne qui lui conseille donc de publier son herbarium, son herbier. Non, je sais plus. Aidez-moi. Aidez-moi dans les commentaires. Sous le nom de son oncle. Ok. Orchidée des prairies. D'accord. C'est tout ce qu'on a ici. Note de professeur. Donc elle a visiblement emprunté des livres à la bibliothèque. Là, je pense que c'est pour la deuxième plante. Ce qui veut dire que ici, on a ça. Oula, il y a plein de choses. On a... Oh là, non, c'est pas ce que je voulais faire. On a les graines pour le saphir mélancolique. Ici, maladie des arbres. Je suppose que ça va être ça. Ouais, ok. Donc a priori, on pourrait faire le saphir mélancolique maintenant. Ici, on a quoi ? Œufs de martin pêcheur, des œufs. Ok. Ok. Donc, on va plutôt faire le saphir. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport au saphir ? On sait, y a ça. Donc. Les champignons ont aussi besoin de nourriture pour grandir et devenir fortes et en bonne santé. Sauf que les fungi n'ont pas toujours accès à ces nutriments via la terre. Donc ils ont évolué pour trouver des manières différentes de pouvoir avoir des nutriments. Ce qui veut dire qu'elles sont devenues carnivores parce qu'elles n'acquièrent les nutriments dont elles ont besoin seulement en consommant d'autres organismes vivants, such as flies, bugs and plants, ok. Certains champignons acquièrent aussi leurs nutriments seulement en se nourrissant d'autres types de fungus, je ne sais plus ce que c'est, ou parasites. Mushroom growing on a tree is usually a sign that they are. Ok, qui sont en train de manger l'arbre. So you should remove them immediately. Et elle, Arabella, elle a rajouté qu'il faut pas toujours, c'est pas toujours le cas de devoir les enlever de l'arbre. Ok. Et ici, on a donc Red Tripox, Hypoxylon, ok, Root Parasite, Bark Rust. Ok. Et là, on a des œufs. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Donc là, avec ces deux indices, on est censé pouvoir faire le champignon. Donc, il faut qu'on les rempote. Je vais pas aller là. Je vais aller dehors. Ah, mais attendez, cet arbre-là. Oh, punaise. C'est un rond comme ça. Oh, punaise, on peut pas courir dans ce jeu. C'était où ? C'était là-haut. On parie, il faut aller sur cet arbre-là. Est-ce qu'il a des champignons, cet arbre ? C'est, voilà, Root Parasite.
Purple Rain on the Park and Roots. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un emplacement pour un pot justement au pied de cet arbre? Si. Alors, on va aller planter notre petite graine. Où est-ce qu'on a une station de rempotage? Ici, ici. Ok. Alors, pardon, excusez-moi. Saphir mélancolique, c'est ça. On va arroser un petit peu. Et on va mettre au pied de l'arbre. Et si c'est pas ça, eh ben je ne sais pas. Ah si, c'est ça. Et donc Arabella a découvert que ça ne tuait pas toujours les arbres. Le saphir mélancolique est le plus incompris des champignons. Il pousse généralement sur les arbres et, contrairement à la croyance populaire, consomme ses parasites plutôt que l'arbre lui-même. Bien vu. Ok, et eh bien on va s'arrêter là pour cet épisode et je vais de ce fait tourner 4 épisodes en tout pour ce chapitre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!